Bonjour, je m'appelle Jade Maréchal, j'ai 19 ans. Je pratique l'escrime depuis maintenant bientôt 10 ans au Bec Escrime, et ce depuis toujours, avec mon maître d'armes Dimitri Audren. Alors j'ai suivi les pas de ma grande sœur qui a pratiqué l'escrime depuis son plus jeune âge et qui maintenant a dû poursuivre ses études, donc j'ai repris un petit peu le sport familial. Donc cette saison j'ai été sélectionnée en équipe de France en 2019, j'ai fait les championnats du monde et les championnats d'Europe, on est arrivé quatrième et lors des circuits de Coupe du Monde, donc après 4 Coupes du Monde, nous avons obtenu 3 médailles avec mes 4 coéquipières. Mes objectifs ils sont très clairs, ce sont les JO de 2024. Et pour me préparer durant ces 4 prochaines années, j'espère rapporter des médailles à l'international, à mon pays et surtout à mon club. Strève, j'ai 20 ans et ça fait 11 ans que je fais du waterpolo. Bah, à la base, un peu comme tout le monde qui a commencé le waterpolo, je faisais de la natation et j'en avais marre de compter les carreaux, alors j'ai voulu faire un sport collectif et le ballon m'a bien attiré, alors je me suis mis au waterpolo. Cette année, je joue à droite, et du coup au poste 1-2, et c'est faut beaucoup nager, faut avoir beaucoup de volume de jeu, et c'est beaucoup de natation, une vision de jeu, et la défense surtout, quand on joue à droite. L'USB l'année dernière, c'était remonté en N1 pour la 5e fois, je crois, en 10 ans, et c'était la première fois qu'elle se maintient, donc c'est notre 2e saison consécutive, et c'est historique, c'est la première fois qu'on s'est maintenu. On a galéré pour obtenir ce maintien jusqu'à la fin de saison. Ouais, on a obtenu les points du maintien, les 3 derniers, lors de la dernière journée de championnat à Gibor. Bonjour, je m'appelle Anna Janel, j'ai 20 ans et je joue au Birdies, au Bordeaux-Mérignac Volley. Je joue au poste de libéro. Alors, la saison dernière, on a fait les play-offs, c'est-à-dire les premières du championnat. Et malheureusement, on a tout perdu en play-off. Mais l'objectif était d'atteindre les play-offs et c'est l'objectif qu'on a réussi à atteindre. Alors, de base, j'aime beaucoup le sport et après, mes parents faisaient du volley, c'est un peu familial. Tout le monde fait du volley chez moi et du coup, ça est venu de là. La particularité du libéro, c'est surtout la réception et la défense, tout ce qui est fond de jeu en fait. Je passe jamais à l'attaque, je fais que du jeu arrière et d'apporter toutes les remonter toutes les défenses et de réceptionner toutes les balles.